que les gens pensent tout bas, moi je le rappe tout haut. Peu importe si les gênés décident un jour de me faire la peau. Ma liberté d'expression, je compte bien l'utiliser, afin que mes rimes sortent un jour de l'obscurité. Sans hésiter, je veux tout donner pour les miens, les nourrir au son, même si je sais qu'ils auront toujours faim. Toujours écouter, car ce que je dis n'est pas banal. Mon rap ne sera pas enfermé, car ce n'est pas un animal. Mais son parle de la triste réalité d'aujourd'hui, et contrairement à certains, j'ai pas besoin de m'inventer une vie. Les politiciens nous promettent des changements dans l'année, mais ça j'y crois comme les Mayas et leur calendrier. Les frères en ont marre et expriment leur colère. La contre-attaque va faire mal comme un coup de tonnerre. Tu ne peux pas nous endormir car on a rarement sommeil. Nous c'est de notre banlieue qu'on voit la vie au soleil. Eh hey, monsieur le président, tu sais c'est qui? Un mec qui en a marre des injustices dans ce pays. Pourquoi crois-tu qu'on a des allures de militants? C'est parce qu'on sait que t'es pas mieux que le précédent. Eh hey, monsieur le président, tu sais c'est qui? Un mec qui en a marre des injustices dans ce pays. Pourquoi crois-tu qu'on a des allures de militants? C'est parce qu'on sait que t'es pas mieux que le précédent. Quand je vois que des petits anges ont déployé leurs ailes trop tôt, je me demande à quoi servent les juges et leurs tribunaux. Les tueurs, les violeurs par la justice sont trop respectés, malgré leurs actes affreux, on les relâche en liberté. J'aimerais que la peine de mort revienne pour ces ordures, et s'ils cherchent un bourreau, je pose moi-même ma candidature. Je suis pas un justicier pour changer les choses, mais je vois bien que la vie en France est loin d'être rose. Les hauts gradés de notre continent sont des imposteurs. Pour comprendre, il suffit juste de voir le journal de 20h. Ça fait des beaux discours pendant les élections. On aimerait que tout soit vrai, mais on ne se fait plus d'illusions. Le chômage amène certains à faire de mauvais choix, car faut pas attendre de l'aide de la part de Pôle emploi. Pour l'instant c'est très calme, y'a rien à l'horizon. Attends-toi juste un jour à une sacrée rébellion. Eh hey, monsieur le président, tu sais c'est qui? Un mec qui en a marre des injustices dans ce pays. Pourquoi crois-tu qu'on a des allures de militants? C'est parce qu'on sait que t'es pas mieux que le précédent. Eh hey, monsieur le président, tu sais c'est qui? Un mec qui en a marre des injustices dans ce pays. Pourquoi crois-tu qu'on a des allures de militants? C'est parce qu'on sait que t'es pas mieux que le précédent. La justice voit bien que les familles des victimes ont du chagrin. Pourtant sa main droite ne veut toujours pas enlever le frein à main. On nous a souvent dit que le changement c'était pour maintenant, mais quand je vois l'actualité c'est toujours autant décevant. La situation de la France est en train de chuter, pas étonnant que la température monte dans nos quartiers. Le peuple doit s'unir pour devenir une seule personne, pour rappeler à l'État les objectifs qu'il abandonne. Ça manifeste, ça milite devant les assemblées, tout en guettant les CRS sur le point de charger. On monte la voix mais leurs oreilles sont constamment bouchées. Je suis venu passer un message et j'espère qu'il sera écouté. Les poings levés pour montrer notre union, il en faudra peu de temps avant qu'on passe à l'action. Mesdames et messieurs, je suis venu dire le fond de mes pensées envers ce système qui n'assume pas ses responsabilités. Eh hey, monsieur le président, tu sais c'est qui? Un mec qui en a marre des injustices dans ce pays. Pourquoi crois-tu qu'on a des allures de militants? C'est parce qu'on sait que t'es pas mieux que le précédent. Eh hey, monsieur le président, tu sais c'est qui? Un mec qui en a marre des injustices dans ce pays. Pourquoi crois-tu qu'on a des allures de militants? C'est parce qu'on sait que t'es pas mieux que le précédent.